Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Pillars et donc du changement, puisque la dernière fois j'avais dit que je ferais de l'inventaire en off, ce que j'ai fait. Je ne suis pas passé chez le marchand, on va le faire ensemble parce que Xoti a du dialogue à faire et au cas où qu'elle se déclenche, quand on sort, des fois ça arrive que les dialogues se déclenchent tout seul. Donc j'ai préféré lancer l'enregistrement. Là on ira vendre tout ce qu'on a à vendre ensemble. Voilà. Donc j'ai changé l'équipe puisqu'on était aussi à l'épisode 25, à peu près tous les 5 épisodes on va essayer d'alterner les équipes pour que tout le monde prenne des niveaux de manière équitable. Donc on garde notre base Eder Jastilus, hein, évidemment notre perso on peut pas l'enlever, mais Eder reste une base solide de notre équipe. J'ai gardé Xoti. Et surtout on a pris Palégina. Donc Xoti, vous voyez, elle a un nouveau masque et je crois que je l'ai mis des bottes, je l'ai un peu mieux équipé en termes d'arquebuse. Ici j'ai mis un meilleur arc à Eder et je lui ai remis des pièges. Chez nous pas de changement si ce n'est que j'ai amélioré le bouclier pour Eder, j'ai amélioré son armure. Donc c'est pour ça que mon argent a un peu diminué, c'est que j'ai fait des améliorations d'artisanat. Xoti, voilà, donc j'ai dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, non, moi j'ai gardé mon armure, rien de plus je crois pour Xoti. Donc j'ai pris Palégina, afin qu'on la prenne un petit peu. Donc je lui ai mis une armure lourde parce que dans mes souvenirs elle mourait assez souvent, un anneau pour protéger sur différentes défenses. Et j'ai pas beaucoup d'équipement à donner à mes personnages, et de base elle avait une épée à deux mains, mais elle est spécialisée aussi dans les masses d'armes, donc du coup je lui ai donné une masse d'armes pour avoir des dégâts un peu contondants. Vu que tous mes autres persos ont des dégâts tranchants, au cas où qu'on ait un ennemi qui soit un peu plus sensible à ce type de dégâts, et je l'ai équipé d'un pistolet exceptionnel puisqu'elle manie les deux. Je lui ai laissé une main libre à chaque fois puisqu'elle était de base comme ceci, donc j'imagine que c'est pour éviter d'avoir un trop grand malus, et donc je lui ai donné une armure lourde qui n'est pas très jolie, mais j'espère qu'elle sera efficace. Et malheureusement j'ai pas pu lui donner plus d'autres choses, comme je l'ai dit, j'en ai pas beaucoup. Et on a récupéré Alos, alors là je suis vraiment désolé pour son style, mais c'était une armure qui était meilleure, légère. Elle est déjà en qualité exceptionnelle, donc c'est pas mal du tout. Je lui ai donné le concentration du modeleur d'eau, afin qu'il ait deux armes exceptionnelles, sachant qu'une fait un peu plus de dégâts, mais l'autre, je crois qu'elle a des bonus, voilà, des chances d'effrayer, et utile pour la magie. Et je lui ai mis un petit anneau de protection pour augmenter sa défense, même s'il n'est pas censé être au corps à corps de base. Voilà pour les petits changements. Je crois que j'ai oublié de modifier ma compo, c'est exactement ça. On va même faire comme ça. Et ici, tac, 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 ok. Ça c'est bon, et on va parler à Xoti du coup pour la suite de sa quête personnelle. Xoti se balance sur ses pieds tout en produisant un gémissement grave et doux par la gorge. Elle frotte un pouce sur ses lèvres mordues d'anxiété. On va lui demander si elle va bien. La sueur coule en une ligne allant de sa tempe jusqu'à son menton. Ses yeux sont flous, lointains. Elle avale lentement sa salive, sa gorge peinant à ramener sa voix ou à contenir son repas. Sorry, I know you're going through something there. You could call it something, all right. Elle incline la tête, le front blissé, comme si elle ne pouvait dire s'il se moque d'elle ou non. Alors, ça, ce serait si c'était un personnage chaleureux, mais ce n'est pas notre cas. Alors, j'imagine qu'il doit avoir peut-être des romances ou des choses comme ça. Alors, on va juste lui demander si elle veut en parler, parce que bon, elle est dans l'équipe, si elle pouvait éviter de faire ça en combat, ce serait bien. Elle tend le menton vers la droite. Ces mots hâtivement chuchotés font se hérisser les cheveux sur votre nuque. Alors, j'ai pas de cheveux, donc ça va être compliqué, ça. Vous regardez aux alentours par prudence, mais il n'y a rien à voir. En tout cas, rien d'inhabituel, même dans la direction vers laquelle Xoti a les yeux fixés.
Qu'est-ce que vous voyez? I see a body of stitched together parts and flayed flesh. It's got three heads and four stretched limbs. On each of its heads curves three white horns from above three blind eyes. The beast is big as a mountain and shambling toward us beneath a sun turned black as slow. Ses yeux se révulsent et elle aussi sur ses talons comme sur le point d'avoir une crise. Et la lanterne tremble dans sa main, elle pousse un soupir. I know it ain't really there. Lately, it's been getting worse. Some nights I wake sweaty and shaken. Other times, I'm already awake. I got my eyes wide open, staring down the darkness, watching one lantern after another flickering out. And every soul looks so ripe, darn near rotten with a need for reaping. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? On va lui dire qu'un devoir plus important l'appelle et qu'elle accepte la récolte, les ténèbres de l'automne. Suppose I am. Must be a reason gone showing me these things. Ils sont pas trop appréciés Pelagina et Alos. Sometimes I hear him like a whisper in the back of my mind. On va dire que moi aussi. Elle vous adresse un sourire ironique qui est entendu. We'll figure this out together. Les épaules haussées, elle regarde dans le lointain. Sinon, il y a quelque chose qu'on puisse faire pour soulager vos cauchemars. Carrying more souls than I've ever shepherded before, so I don't know that it'll work this time, but used to be. When the dreams were riding me hard, I'd cleanse my soul before gone. If we stop by the temple in Nekataka, I can perform the ritual. Please, I need the relief. It won't take more than a minute under gone statue, that's all. Bon, bah, tu as de la chance parce que on est à Nekataka, donc ça va aller très vite de faire ça, et ben on va faire ça. Ça va être la première mission qu'on va réaliser dans cet épisode. Première quête, hein, je rappelle, on essaie de faire les quêtes une par une. Et là, on est parti sur les quêtes sans affiliation particulière à un camp qui se bat politiquement pour la domination de l'archipel du feu éteint. Donc, et il y a notamment des quêtes de compagnons là-dedans. Et donc, on va aider Xoti à réaliser cela. Alors, premier temps de chargement toujours un peu long quand vous quittez un bâtiment. Tant que ça charge les zones. Mais avant ça, on va aller voir le charpentier. Déjà pour lui vendre le matériel qu'on a en trop. Et pour voir si on peut pas récupérer un truc plutôt chouette comme les cabines de capitaine ou ce genre de choses pour améliorer le défi. J'ai toujours l'espoir d'avoir une flotte, mais je sais pas. Est-ce que les navires à acheter, c'est vraiment juste pour changer de navire à guider et qu'on n'aura pas de flotte? À qui confier des missions, confier des tâches, ou même à programmer, je sais pas, en tant que pirate, en tant que marchand, des choses comme ça. Ce serait quelque chose que j'aimerais bien, hein, qui est dans le jeu. Peu cet aspect gestion. Peut-être plus tard. Alors, déjà, tu vas me racheter beaucoup de choses. Hop, ça j'en garde deux parce qu'au cas où qu'il y ait un personnage, j'en ai besoin de deux. Hop, ça, voilà. Ça par contre, j'avais pas besoin de temps. Trie-moi ça, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ça non plus, ça non plus, hop, hop. Déjà, vous voyez, on se fait pas mal d'argent. Ça, c'est fait. Les arquebuses, j'en ai plein de qualité supérieure. Les grimoires, je les garde, je sais pas pourquoi. Fléau, j'en ai un. Une pique,
J'en ai pas dans ma réserve. Des arbalètes, oui. Donc tout ça, on peut partir. L'étoile du matin, j'en ai pas. Et j'en ai pas en qualité améliorée, donc au cas où, on va la garder. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle est partie là. Bon, c'est pas grave, je la remettrai après. Ça, j'en ai une, c'est bon. Les stocks... Non, j'en ai pas. Bâton. Non plus les arcs cuits, par contre. L'épée, ça dégage. Les trucs de Xoripon, on garde. Bouclier comme ça, on garde. Quoique non, j'en ai. Ça, j'en ai un aussi. On vire tous les boucliers qui sont pas déjà améliorés. Le stylet, c'est bon. Le sceptre, j'en garde un au cas où, parce que je sais qu'Alos en a un, mais bon. Peut-être que d'autres personnages en auront besoin. Ça, on vire. Les pistolets, on vire aussi. Master, on vire. Le marteau. Marteau, on garde. La lance Xorip. Voilà, ça en garde. Ça en garde. Alors oui, je rappelle, hein, je garde au moins un exemplaire de chaque arme pour un aspect un petit peu collection, on va dire. Les épées, ça dégage. Les baguettes, j'en ai... Oui, j'en ai une là. Et les torches, on garde. On va déjà échanger tout ça, c'est pas mal. Ici. Hop. Ça, ça nous fait du bien. Ça, c'est vraiment si à un moment j'ai envie d'avoir un style particulier. Et pareil hein, pour l'aspect collection. Tac. Ouais, bon, il y en a qui se ressemblent. On va garder au moins une de chaque. De toute façon, ça ne pèse rien, donc à part faire gagner de l'argent, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, comme vous voyez, ça rapporte pas beaucoup ça. Et le reste, c'est bon. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre? On pourrait lui prendre un peu de matériel médical. Je pourrais lui en prendre 49, voilà. Matériel de réparation. Ce serait pas mal aussi. Et la mitraille aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on est déjà à 1000. Sinon le navire, nourriture, tout ça pour l'instant, on n'est pas trop mal. Et on va prendre les quartiers. Ah non, juste un, s'il te plaît. Voilà. Et on va échanger. Parfait. Tout ça est fait. On va juste sur notre navire. Et on va lui installer quartier du capitaine. Voilà, de façon permanente sur le défi. On a des canons. Alors, je sais que là, il... Bah si, là. Ah, je peux le mettre au canon arrière. Il me faut quelqu'un ici. Bah, j'ai toujours Oswald hein, qui est là, je ne sais pas ce qu'il faut. Ah si, je peux le mettre. Mais il ne sait pas tirer au canon, par contre. Bon, comme ça, on va mettre comme ça pour le deuxième équipage. Si jamais, un jour, on l'utilise... Ou si on peut l'envoyer. Alors, nourriture et eau, c'est bon. Sachant que tant qu'on est à Neketaka, il ne consomme rien du tout. En tout cas, de nos réserves. Donc ça, on avait dit qu'on laissait de côté parce que c'était lié à d'autres quêtes de factions. Et donc, nous, on va aller au temple de Gon. Qui est... non, bah, attends. Il faut que je clique. Voilà, sur la sortie.
on va mettre le mode rapide. Puisque là, c'est vraiment juste de l'aller-retour. On l'enlèvera une fois qu'on sera au quartier des temples. Comme ça, on va pouvoir progresser un petit peu sur la quête de Xoti. Qui aura une incidence hein, aussi hein, sur les choix qu'on fait pour sa quête personnelle. Ça aura une incidence après sur sa destinée, comme l'a pu être les choix qu'on a réalisés dans le premier Pillars pour Palégina, qui s'est retrouvé exilé et qui nous en veut, hein, et qui se méfie un petit peu de nous et de nos choix et de nos actions. Donc Palégina, on peut pas dire que ça va être un personnage que, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer et avoir beaucoup confiance, puisqu'il y a une certaine rancune et une certaine rancœur qui existe du coup à cause des actions du premier jeu. Donc je ne suis pas certain de sa loyauté. Elle va chercher de toute manière à essayer de se racheter au vu des au regard des ducs. Donc il va falloir s'en méfier à certains moments. Could I have a moment of your time? Ok, bien sûr. I know someone who works in this tower. An animancer named Jocolo. I'd like to see him if we could. Ah, j'ai aucune raison de refuser. Agrasim. It should not take long. I have not seen him in many years and I wanted to thank him. Is this a glimmer of sentiment from our Iron Paladin? What, I wonder, could this fellow have done to merit it? When I was a girl, he visited me in the academy. He was studying, godlike. Studying what was in our souls that made us different from other Kith. He found something in me. Something that resonated like a chime when he held an instrument near me. He said it was like this for all godlike. Different chimes resonating for different types. On se tapote la poitrine en disant ça me rappelle quelque chose. Oh, Diverus, have you had such a test as well? C'est quelque chose que m'a donné Beras quand j'étais dans l'au-delà. À vos scrutes, tentant de comprendre ce que vous voulez dire, après une pause, elle hoche la tête et reprend. In any case, he told me it was what was causing my body to change. I begged him to remove it. He refused at first, saying it was impossible. When I told him I would kill myself if he didn't, he's... No one should ever be driven to that. Least of all a little girl. Pour une fois, Xoti a l'air contrite, fronce les sourcils en se frottant la nuque. I don't expect you to understand, but I was 12. My body was changing in many ways. Being the only girl, the only godlike girl at the academy was unbearable. Je vais rien dire. Giacolo was not able to remove the chime, but he was able to sever it. When it happened, I blacked out. I did not wake for 2 weeks. The Brotherhood ejected him from the academy for ruining their pet godlike. They assumed I would die. I did not. Over time, I lost most of my feathers. The shape of my nose changed. It was not enough to make me fully Galbandra, but it was enough to keep me from wanting to die. When I looked in a mirror, what I saw was not a godlike, not something to be paraded around. It was me. Finally, me. Mais vous étiez vous-même avant. Parce que ça vient d'un personnage qui a totalement accepté hein, sa nature et qui en fait sa part personnelle. Donc, du coup, il n'est pas du tout dans la même optique que Palégina, n'a pas suivi la même direction. Non. En criant, sa voix se fait plus grave tandis que ses yeux dorés s'écarquillent. You do not decide who I am. Helia does not decide who I am. The Brotherhood does not decide who I am. Elle s'avance vers vous et pointe un doigt sur son cœur. I decide who I am. Giacolo respected that. He respected me. Without his help, I would probably be dead. If we can speak to him inside the tower, I would be grateful. Bah écoute, hein, toi tu veux juste aller papoter avec quelqu'un.
Xuti veut se purifier pour des cauchemars qui n'ont pas l'air top. Donc on va d'abord privilégier Xuti et puis après on ira voir pour toi dans la tour. Chacun son tour. Donc du coup ça va être la quête personnelle de Palegina. Et je sens qu'encore une fois je vais aller à l'encontre de ce qu'elle veut. Et elle va me détester. Hop, on est arrivé. Temple de Gaune hein, qu'on a déjà visité. On y avait été pour Ether et on a appris que potentiellement il aurait un enfant. Ce qui serait cool. Right there, under the statue of Gon. Ce qui serait cool pour lui, hein, puisque c'est Eder, c'est vraiment le compagnon principal de nos voyages et de nos aventures. Allez, Xuti, c'est parti. Tout en se frottant la nuque, Xuti lance sciemment un regard timide sur le côté. Nothing like a homecoming to make a girl remember her roots, even if they are dried up and half dead. Elle soupire, balayant un peu de boue de ses bottes avant de lever le visage pour poser sur vous ses grands yeux marrons. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils comprennent pas. Suppose they do. Suppose sometimes people do bad things in the name of their gods. But my brethren do more good than bad, and more good than most. À propos de Gon. Yeah. Lay it on me. Pourquoi rassemblez-vous des âmes dans votre lanterne? I was born to reap souls and lead them to the light. Now with Aethys dead and these dire visions, I think I need to shield them from a hell gone dark. But the more I gather, the more my mind turns to tatters. L'au-delà n'est pas devenu obscur, il est bien illuminé par l'Adra vivant. Not yet, no. But soon. Sans s'en rendre compte, elle resserre la main autour du manche de sa faucille. Gon has shown me the common end. Et ça vous arrête-il de rassembler des hommes? That ain't gonna happen. You'd ask me to turn my back on my god. Bon, on est là pour te purifier. Yeah, I'm ready. I've done this before, but never with such a full lantern. You may want to stand back. The experience can be somewhat intense. Agenouillé devant la statue de Gon, Xuti pose sa lanterne entre ses genoux. La tête inclinée, elle plaque les deux mains contre la cage de cuivre. Une douce psalmodie s'échappe en cadence de ses lèvres. Au fur et à mesure qu'elle gagne en amplitude, l'éclat de sa lanterne augmente, tout comme celle de la lanterne qui tient la statue. La statue de Gon dans sa main squelettique. Les deux lumières palpitent au rythme de la psalmodie, résonnant l'une avec l'autre, telles des cœurs jumeaux battant de plus en plus fort jusqu'à ce que de la lanterne de Gon fuse une cascade de rayons violets. Les sens submergent la silhouette courbée de Xuti, la forçant à se redresser brutalement avec un cri. Don't know if I feel cleaner, but I feel something. Blessed for sure. Xuti esquisse un sourire alors qu'elle attrape sa lanterne, refermant ses doigts tremblants sur la cage de métal luisant. Let's just hope it lasts, cause my lantern feels as heavy as ever, full to brimming with essence, like dark water spilling over my mind. Bon, on va quand même poser les autres questions avant qu'elles disparaissent, donc on va demander de rappeler la différence entre Gon et Otas. Aethys is dead, and Gon is the death before life. He's the ripeness before the fall. Elle lève sa faucille, faisant tourner la lame comme pour montrer le reflet de la lanterne. Oui, mais on sait qu'Eotas n'est pas mort. That lumber and hunk of Audra might claim to be Aethys, but that doesn't matter a whit. He died, so he can't be Aethys anymore. Death changes every soul, even a god's. And if it doesn't, it should. Et les étoiles de l'aube sont totalement partisans de la montée et de la lumière. Pourquoi tant d'intérêt pour la mort et les ténèbres? Why do you think the god of rebirth held an aspect of death within him? You can't have life without dying. There ain't no beginning without a prior ending. Ain't no day without night. No spring without fall.
You can't grow crops if you never harvest for seeds. Eh bien, partons. I'll be right behind you. Ok, alors Zoti s'est purifié et donc voyager avec Zoti. Eh bien, on va faire ça. Alors, je voulais juste regarder parce que j'ai l'impression quand même que... Bon, on est à zéro avec Zoti. On est au max avec Seraphon et Eder. Bon, Alos est à moins 1, donc on n'est pas très loin de l'avoir max contre nous. Paligina, bon, on aura certainement max. Donc je voulais voir. Il est à fond avec Zoti. Ok. Ouais, Zoti et Paligina ne s'entendent pas du tout, par contre. Oui, alors là, clairement, elle ne peut pas la blairer. Et Alos ne s'entend pas avec Tekeu et Seraphon. Bon, j'essaie de faire en sorte d'avoir une équipe qui s'entend, mais là, c'est vrai que Paligina, je ne sais pas trop où la caser. Et donc, j'ai composé cette équipe. Malheureusement, il va y avoir des tensions entre Xoti et Paligina. Mais est-ce que Paligina va rester avec nous jusqu'au bout de l'aventure? Ça, c'est une autre question. Certainement que non. Hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller s'occuper de la demande de Paligina. Et donc, on va aller du côté de la flèche des prophètes spirituels. On va passer en mode rapide. Non, tu veux pas suivre. Il veut pas suivre. C'est pas grave. Supplies, get your supplies here. Et il faut qu'on trouve la personne en question. Alors, est-ce qu'il est dans la tour ou au-dessus? On va bien voir ça. Non, là, il n'y a que des animaux anciens, donc on va aller sur le toit. Certainement avec tous les autres qui sont en train de préparer une deuxième expérience. Hein. Pour rappel, il y a deux épisodes, on a fait la première expérience qui nous avait amené dans une zone à la direction artistique très stylée, mais aussi très, très dangereuse. Par bien des aspects. Attends, il s'appelle comment celui qu'elle veut là? Interroger les animaux anciens spirituels sur Giacolo. Ok. Bah on va demander à notre ami ici présente si elle a des infos. Hope you're keeping busy, Watcher. We're still running some small tests. Not quite ready for the real thing. What can I do for you? On cherche un anime ancien du nom de Giacolo. Giacolo? Ah, I know him. He has a little laboratory for himself down in the gullet. His specialty is godlike. Claims he can detect them in the womb. Elle ouvre les bras de manière d'expression. Giacolo rents a room in Ecosi, the hall, which is that grimy tavern down below. Why he seeks to bury himself, you will have to ask him yourself. Not many animancers down there, so he should be easy to find, if they haven't stolen all his equipment. Oratogori. Ok, merci pour l'info. Voilà, c'était rapide. On a ce qu'on voulait, donc on va aller du côté de la Raveline, retourner à la taverne Le Trou, qu'on connaît bien. À force de faire des allers-retours à la Raveline, c'est un quartier qu'on arpente beaucoup plus que le quartier de la haute noblesse et compagnie. Non, c'est pas ça que je voulais faire. La map, hop, on va partir par là, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, que des discussions. On avance. Mais il y a besoin d'épisodes comme ça, un peu plus calme, on va dire. Non, allez-y comme ça. Parce que de toute façon, après, il va falloir... Quoique, non, on est juste à côté ou pas? Je ne sais pas. On va interroger le contremaître aussi. The gullet is no place to wander.
Watch yourself for rowdies and pirates. Un des rebelles m'a donné la permission d'utiliser l'ascenseur vers le caveau. Pendant quelques secondes, il se contente de me regarder en clignant des yeux. That is interesting, because this lift goes to the old city. I hear there is a lift to the Undercroft from Delver's Row. And Delver's Row is a haven for criminals, of which Dario is the worst. I am now I see. This is one of your famous jests. Most amusing. Ok, j'ai failli me griller lamentablement près de lui. Heureusement que j'ai poussé à bout le trait malin. Et donc les gens peuvent penser que ce sont des plaisanteries ou dit sur le ton de l'humour. Ce qui peut me sauver la mise, comme on a pu le voir actuellement. Je pensais qu'il était acheté par Dereo, hein. C'est pour ça que j'ai quand même posé la question pour voir la ligne de dialogue. Mais apparemment, pas du tout. Loin de là. Alors, il faut qu'on trouve notre anime ancien, là. Firna, t'as des infos? Oui, est-ce que t'aurais vu un certain Giacolo? Lots of folks come through the hole, fresh face. Have a look around for yourself, yeah? Ok. Je vais regarder. Bon, normalement, si c'est un personnage, il devrait avoir son nom qui apparaît. Ah bah oui, oui. Je viens de me rappeler d'une chambre qui est à l'étage et effectivement, ça ressemble totalement à une chambre d'anime ancien. J'imagine qu'il doit être dedans maintenant qu'on a lancé la quête. Oh non. This does not look good. Les yeux écarquillés, Paligina inspecte la pièce ravagée. Why would someone do this to Giacolo's work? I thought Anomancers were safe here in the dead fire. Even in a place this vile, someone must have heard or seen something. We should ask the owner if they know what happened. Bon bah d'accord. Lead the way, Watcher. Hop, on redescend et on va aller poser des questions à Firna. Qui, je suis sûr, nous répondra très facilement. Elle a toujours été très conciliante lors de nos questions. Qu'est-il arrivé à Giacolo? Sa chambre est un champ de bataille. Can't say I know a Giacolo, fresh face, but if you're meaning that guy with all the fancy and a schmancy equipment, a bunch of pirates burst in here and dragged him right out. Now, the hole's no high society tea house, but that's still some of the weirdest shit I ever seen go down here. See, the pirates, every one of them was godlike. No doubt they hauled him through the narrows. Heard him hollering the whole way. Poor guy. Bon, bah, on sait où aller. On va aller du côté de l'allée du mineur. Endroit qu'on connaît bien aussi. Les gorges, celle-ci, c'est parti. D'accord, ça suit les persos en mode normal, mais en mode rapide, c'est ça va trop vite, du coup, pour que ça puisse suivre. Ce qui me semble logique. Ou pas. C'est peut-être qu'involontairement, je suivais. Hop, direction l'allée du mineur. Alors, je réfléchis où est-ce qu'on pourrait chercher, mais je sais pas trop. Où est-ce qu'il y aurait que des divins? Aucune idée.
Est-ce que notre ami Rouille connaît quelque chose? Of course you do. Non. Du tout. Le marchand peut-être. Looking to take the edge off, friend. Let me take care of you. Non. Peut-être lui. Ah non, là. Il y a une âme à sonder. Le corps de cette divine de la lune est contorsionné dans un spasme de mort. Sa bouche est ouverte, ses yeux laiteux sont ouverts, figés par l'effroi. Revêtant des habits en cuir principi, elle semble avoir été pirate. Un petit dispositif complexe en adra et en bronze est posé près de sa main, fissuré et noirci. Son âme reste à proximité, même sans vous rapprocher d'elle, vous ressentez sa confusion. On va sonder l'âme. Capitaine a dit de le ramener, alors vous le ramenez. Le vieil homme n'a pas l'air dangereux, mais vous faites confiance au jugement du capitaine. L'animancien ne voulait pas partir et s'est débattu autant qu'il pouvait. Nodra a dit de le frapper, alors vous l'avez frappé. Cela l'a fait taire, mais transporter ce vieux Sactos est fatigant. Vous n'avez qu'à le faire monter à bord et vous pourrez enfin prendre du repos. Vous vous trouvez dans l'allée du mineur en train de traverser le marché quand il commence à revenir à lui. Il n'a pas assez de force pour se libérer. Pourtant, vous n'auriez pas imaginé qu'un vieil animancien filiforme pouvait chicoter autant. Père Complanca, Père Complancanette. Par pitié, un peu de compassion, crie-t-il à la ronde. C'est l'allée du mineur, donc personne n'y prête vraiment attention. Devant vous, Nodor demande au vieil homme de se taire. Vous aurez assez de temps pour implorer la clémence du capitaine Tatsatul quand on arrivera à Dunage. La sœur jumelle du divin de la mort hoche la tête. Vous comprenez le message, il est l'heure pour l'animancien de retourner faire dodo. Vous lâchez le vieil homme du main pour attraper votre gourdin. Il est faible, mais son agitation vous irrite. Attendez, quelle est cette petite chose étrange dans sa main? Je vais vous prendre ça si ça ne vous dérange pas. Et tant pis si ça vous dérange, vous rigolez tout seul et tendez le bras pour vous en emparer. Le vieillard commence à bégayer. Non, 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 non. La flash se produit et une odeur puissante, pareille à du soufre, se dégage. Sans oublier une douleur intense, mais bref, peu importe. Nodor et Nodra ont déjà assommé le vieil homme. Vous voulez aider à le transporter, mais semblez incapable de lever le bras. Les jumeaux regardent quelque chose au sol. Vous avez toujours haï le fait de ne pas pouvoir voir leurs yeux. Le capitaine dit qu'il ne faut pas les juger. Après tout, voudriez-vous être jugé d'après votre apparence? Certainement pas, capitaine. Vous avez raison, comme toujours, capitaine. Vous tournez du côté où il regarde, vous voyez allongé sur le sol, la bouche et les yeux ouverts, ce petit objet bizarre brûlant lentement près de votre main. Mais ce n'est pas possible, vous êtes ici. Les jumeaux font demi-tour et s'apprêtent à partir. Ils font signe aux autres de se dépêcher. Vous allez les rattraper. Vous devez juste réussir à trouver comment bouger les bras. Un groupe de divins pirates a emmené Giacolo à Dunage. Giacolo abducted by godlike pirates. But why? He has always done his best to help my kind. Watcher, I have asked much of you already. But if you can find time to go to Dunage to find this Captain Tatsuddle. It would mean a great deal to me. It did not sound as though he was in imminent danger. But I fear what they will do to him. Vous êtes sûr que Giacolo n'avait pas d'ennemis? Not in the Republics. I can't think of why godlike, of all kith, would have any reason to take him. Something strange is going on here. Perhaps it has something to do with his research. I am sure we will find out when we find Captain Tatsuddle. Balançant doucement sa lanterne, Xoti attire l'âme dans ses profondeurs. Ok. Du coup, on va regarder. Elle est toujours... Oui, elle est toujours à notre niveau. Et ben, on va aller faire ça. Oui, ça fait des allers-retours, mais bon. Au moins, on fera peut-être de l'abordage ou des choses comme ça. Ce qui nous rapportera un petit peu de matériel. Ou même des primes. C'est pas inutile de faire des allers-retours. Et Nekitaka... non, c'est pas ça que je voulais faire. Nekitaka Dunage, ça se fait assez rapidement. C'est une ligne droite qu'on connaît bien. Puis tant qu'on est lancé sur cette quête, autant la faire. Oui, mais on est bien réveillé, t'inquiète. On va quitter la cité par la mer.
petit temps de chargement de la carte de navigation. Allez, tu vas y arriver. Voilà. Alors, du nage. C'est parti. On y va et on va essayer de tirer au clair cette histoire. Alors, sur la carte de navigation, je dézoome au max. Esclavagiste. Il avait l'air de se rapprocher de moi, mais je pense qu'il va attaquer peut-être le commerce. En tout cas, tout va bien. Ils ont eu à manger, ils ont eu à boire. Et leur salaire. Ah. Attention. On va l'esquiver. Parce que lui, pour le coup... Non, non, fous-moi la paix. On va tenter de fuir. Ok, on a réussi à s'échapper. Ah, fuir un adversaire moins fort. Ah! Merde. Bon. C'est pas grave. La prochaine fois, on saura qu'il faut attaquer. Bon, bah, on fera ça. Quitte à aborder directement. Je savais pas que ça faisait un malus. J'ai dit, bon, on était juste à côté. Amener un demi. Ok, il n'y a pas de précision. Où est-ce qu'il se situe? Torcar, je dois te tuer, mais plus tard. Putain, du nage, non. Pas l'impression que ce soit là. Je pense pas que ce soit au flambeau. Le flambeau, c'est le lieu où il y a le conseil. Des pirates, donc ça doit pas être là. Je me dis que le cercueil du roi me paraît plus logique qu'il soit dans une taverne. Peut-être qu'Arker a des infos. J'ai croisé un de vos amis et Amund le renard. No friend of mine. Let me guess, he claimed I recruited you and that I'm coming out of retirement. I don't know why no one ever believes me when I tell them that I've put that life behind me. Especially since I tend to kill him after. In any case, I suspect old weasel-faced Aemon didn't survive his encounter with you. Dumb bastard never did know when to back down. Et pas plus de récompense ou quoi que ce soit. Moussaillon, Irwena, le démon. Peut-être des gens que je dois tuer. Personne. Et toi, j'ai quelque chose à dire. Need anything? Non. C'est quelqu'un qui peut m'apprendre des choses, mais c'est tout. Manéa, peut-être. Say what you want about pirates, but these Principi know how to have a good time. Non, bon, c'est pas l'air d'être là, donc on va aller à la cour radieuse. On va finir par le trouver, hein, ce capitaine. Censé être à du nage. Alors, en tout cas, s'il est au flambeau. Je serai le premier surpris. Est-ce
que Rotan est là pour m'aider. If it's a drink you're wanting, I got enough grog stock to drown a shark. What are you having? I'll pour you a double. Non. Ça c'est le bout de la carte. On a Bézirale ici, mais ça c'est les primes. Ramassou peut-être. You return. What would you like to buy today? Non, il n'y a rien du tout. The Watcher is a regular ship hunter's ship hunter. Aye. Anyone who kills that many Valine trading bastards is a right hero of mine. Donc toi c'est un mec qui me donne des cours. Non, ça c'est la troupe. Bah, ils sont vraiment au flambeau. Ou alors je les ai totalement loupés. Peut-être sur le refuge du porteur. Bah écoutez, on va voir au flambeau. À moins que ce soit le chef qui l'ait demandé. Mais je vois pas ce que Furente aurait quelque chose à voir avec ça. You have my ear, Casita. Ouais, y'a toi, mais... Furente, Pistolet Principi, tout ça. La tour du flambeau. Non. Personne de ce nom. On est un capitaine de Métat. Ça seul du nage, je devrais aller les voir. Je veux bien, mais je le trouve pas, ça seul là, machin. C'est pas grand hein, du nage, donc normalement j'aurais les trouvé facilement, mais. Ouais, ça c'est que des PNJ qui ont. What? Indeed. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Non, y'a personne. Ok, donc on est d'accord, c'est pas au flambeau. Tournons à la cour radieuse. Peut-être louper quelque chose. Le truc, c'est que je pensais que les taverniers pouvaient me renseigner. Mais c'est pas le cas. Pierna, peut-être que tu peux me donner des infos. A repeat customer. What can I stock you up with? Non. Crozanella, on a dit qu'elle n'avait rien. Peut-être Calandra. Thanks again for your help. Non. We couldn't have done it without you. Bah on va voir au trésor. C'est l'endroit que j'ai pas fouillé. Vous allez voir, ils sont sur les quais et je les ai loupés. So our charted routes. You got the look of a true pirate about you. Cutthroat, cunning, sunburn. I like it. Anything in my trove catches your eye, you let. Ah oui, c'est toi qui vend des choses complètement fumées. Le truc c'est que ça m'aide pas du tout. Voilà, je dézoome au max, hein. Je peux pas faire mieux. On est d'accord qu'on les voit pas. Donc ils sont pas à la cour radieuse.
Et je tourne en rond dans la ville comme ça, les gens vont se demander qu'est-ce qu'il fout lui. Ok, Torcar et compagnie. Ça c'est pour une autre quête. Là, on a Audita. Tivoudi. Keep moving. This here is for the crew of the Divine Barge. You ain't a part of it, so you ain't getting inside. Well, look here, one of Barith's blessed. Maybe you could be part of the Divine Barge after all. Ça veut dire que je peux entrer? Sure doesn't. Now get out of here. Père Comblanca, let us pass. I know you have Jacolo. I have known him since I was a girl in the Republics. So, why should I care? Ah, pas tort. He saved my life. He has saved the lives of many of our kind. Whatever you think he has done, you have the wrong idea about him. Les grimaces déforment son visage, frotte la fourrure recouvrant son oreille droite, se tourne vers la porte puis vous regarde. Bon, je vais hocher la tête. I probably won't live to regret this. Elle se retourne pour faire face à la porte tout en tirant une clé de la bourse attachée à sa ceinture. On a tourne-main, la porte est déverrouillée et ouverte. Elle fait un geste en direction de la porte. Ok, donc moi je cherchais le nom du capitaine, c'est pour ça que j'ai pas forcément tilté là-dessus. Mais on l'a trouvé, c'est le plus important. What brings you to this place? Il manque un truc là. Nous venons pour l'anime ancien que vous avez enlevé, Giacolo. I see. We ourselves have been debating what to do with Giacolo for quite some time. Giacolo se tient vers le fond de la salle et vous considère nerveusement, bien qu'il ne semble pas blessé, et tressaille à chaque geste des pirates. Tadzatel regarde le plafond, à l'évidence perdu dans ses pensées. Il soupire profondément et ferme les yeux durant une période si longue qu'elle en devient gênante. Enfin, sa tête se redresse et il acquiesce d'un air résolu. We are lost in the woods. You will guide us out by traveling the branching paths of Altleha. Quoi? A forest is defined by its boundaries. There are a finite number of ways through a forest, just as there are a finite number of ways this can end. I know the ways out of the forest, but you... We'll choose the paths to take. Très bien. Le capitaine tire une petite tablette de cire et un stylet en métal. Il écrit quelques mots sur la tablette et pose doucement le stylet dessus avant de se tourner dans votre direction. A woman is with a child, and she learns that if the child is born, it will suffer greatly and have a short life. If she ends the child's life before it truly begins, is this good or bad? Saw enough of that during the legacy. Answer simple enough. When they ended it early, that was bad beyond measure. And when they didn't, same thing. Ah, j'aurais tendance à dire que c'est plus compliqué que cela. Le personnage répondrait c'est bien. Il a pour seule réaction de vivement faire une petite marque sur sa tablette de cire. You discover a powerful new technology, but you are afraid some people may misuse it for ill purposes. Would you destroy the technology, regulate access to it, or make it available to everyone equally? Certainly, it should not be destroyed. It would only be a matter of time before someone else made the same discovery. Well, there's always the potential for ill, but... We cannot govern people by removing their choices. We must trust that reason and moderation will win out. Pareil, j'aurais tendance à dire qu'il faut la rendre disponible pour tous sans restriction. Dans le cadre du personnage, ça doit être régulé. Il acquiesce et rajoute une petite marque sur la tablette de An enemy of yours is being persecuted. The grounds of the persecution are, by measure of your own compass, unfair. Would you allow the persecution to continue, or would you intervene to stop it?
Je laisse la persécution suivre son cours. Il baisse les yeux sur la tablette de Siri et inscrit une troisième petite marque. You learn that someone who does great good for many people is unintentionally going to do great harm to many people. The harm may not be great, or it may be so great that it dwarfs the good they have done. You have an opportunity to prevent this by killing them. Do you do so? Dans le cadre du personnage, oui. Very well. Il fait une quatrième marque sur la tablette, puis la prend dans ses mains et compte. Your path has led to this conclusion. Giacolo will be killed and his research destroyed. Quoi? What is this? You haven't even explained what he's done. Giacolo has discovered a method by which one may detect a godlike fetus in a mother's womb. Les paroles de Tazatol restent suspendues en l'air. Le capitaine attend la réaction de Palegina, mais elle reste silencieuse. Elle serre la mâchoire et indique à Tazatol de continuer de la tête. In the Deadfire Archipelago, parents consider a godlike child to be a blessing. From Bereth and Helia to Andra and Galloway, all are beloved, save those of Scan. Appearing mutilated at birth, many godlike of Scan are killed with the tacit approval of the tribe. Those who aren't killed lead miserable lives. Bah, en tant divin, je sais que c'est horrible. I agree, as does my crew, which is why we decided to bring Giacolo here to decide what should be done about him and his research. And now you're going to kill him because of how the Watcher answered your stupid riddles. Yes. Merci de développer. Our group was conflicted, so I posed to you a series of hypothetical questions, absent the specific context of our current problem. While you may have deduced some hint of the context during the questioning, it was a less biased method of reasoning than we were engaged in. After all, for us, this is a matter of life and death. Ça me semble une logique implacable, donc je vais rien dire. Now, if you will excuse us, we must deal with the matter at hand. You have my word that it will be swift. Paniquée, Palegina vous regarde les yeux grands ouverts. Désolé, pragmatisme pur, hein, le personnage est pragmatisme pur, donc je secoue la tête. Palegina fait jouer les muscles de sa mâchoire et ricane avant de faire face à Tazatol. I cannot make the same promise, Captain. Permet qu'on soit as. Bon. Kill them all. Malheureusement, on est engagé dedans, donc. Comment on va faire ça? Xoti, il faut que tu passes comme ça, s'il te plaît. Il va falloir que tu te fasses L. Toi, là, là. Ok, Palegina, ici. Ok. Alors, si tu pouvais aider Xoti. Palegina, qu'est-ce que tu fais? Allez, mets ta boue. Hop, toi. Et un massacré. Parfait. Eder, tu as eu ton ennemi, donc tu vas m'aider avec Noder. Alors, si tu changes d'arme. Tourne-toi. Nous. On n'a pas de musique, hein. C'est super pour l'ambiance. Ok, Eder. Active ceci, s'il te plaît. Hop. Vous trois, faites le capitaine. Continue. Alos. Non, c'est bon, Eder l'a chargé. Alos, ici. Eder, tu viens m'aider ici.
Et voilà, tout le monde sur le capitaine. Voilà, on a réussi à régler la situation. On a retourné tout ça. Donc ça, il est en train de faire... Ok, ils sont tous en train de faire des attaques. Voilà. Allez, finissez-le. Bien. Tell me, Madiko. That Zalto left us no choice. And I couldn't save Giocolo. Still, thank you. Les yeux torrés de Paligina sont noyés de larmes et achassent vivement celle-ci avec ses membranes nictitantes. I will always remember what he did for me. What he tried to do for me. For my kind. To think that Tazatl and his crew were willing to kill for this. For the mere possibility that Giocolo's research could be misused. Did they really have that much to fear? Et bien entendu, le potentiel de l'animancie est bien trop dangereux pour laisser n'importe qui étudier n'importe quoi. But who should decide how it should be restricted? Ah, le personnage étant un dirigeant, il va répondre les dirigeants. Moi, j'aurais plutôt tendance soit à dire que soit les animanciens, soit le peuple lui-même, mais dans le cas de notre perso, on va plutôt partir là-dedans dans un souci de sécurité. Ce sont les dirigeants qui devraient contrôler la pratique de l'animancie. There is a great danger to that. In Adir and the Deerwood, rulers fear animancy because they do not understand it. Pour rappel, on est quand même seigneur d'une terre, donc forcément on veut contrôler la chose. And because of this fear, they attempt to suppress animancy or to kill animancers for practicing it. Pour rappel, on est dans une session où j'essaie d'être plus en accord avec le développement du personnage. Ce ne sont pas forcément mes choix. Paligina reporte son attention sur le cadavre de Giocolo et jette un dernier regard à la silhouette recroquevillée du vieillard. Elle ne peut endurer ce spectacle qu'un instant avant de tressaillir et de se tourner vers vous. Et on a terminé sa quête, apparemment. Alors, on récupère des objets. Rien non plus de très extraordinaire. Faut bien l'avouer. Amulette. Divan de la mort ou le gardien. 5 chances de détruire instantanément une bête ou qui touchée dont la santé est inférieure à 100. Pas mal du tout. Et sur... Ah oui. Non mais c'est totalement pété ça. Je vais le mettre direct sur moi. Parce que du coup... Alors, je sais pas quelles sont les probabilités de chance, mais pour le coup, c'est complètement fou, quoi. Alors que sur Paligina, par exemple, c'est pas la folie. Et sur Confer cœur lunaire pour Tekeu, par exemple, c'est pas non plus fou. Donc ça, hop, sur moi. Et ça, ça faisait quoi? Santé max. Maître Eder qui... Oh yes. Qui perd assez vite at once. De la santé. Et sinon, comment sont nos rapports avec Paligina du coup? Sont neutres. Ok. Et ben, elle a pris un niveau. Donc on va lui mettre en athlétisme, en intimidation. Ici. Qui peut détruire des créatures, ça peut être très utile. Aveugle les ennemis. L'abjuration, ça peut... C'est très situationnel, mais... Mais ça peut être vraiment... Très très utile face à quelqu'un qui invoque. Et ça peut vraiment bien le... Contrée. Donc voilà pour aujourd'hui, je crois qu'on est bon, je sais plus du tout quand est-ce que j'ai commencé, donc je sais pas du tout combien de temps dure cet épisode.
On s'est occupé de deux quêtes de loyauté, on a bien avancé, on a fait entièrement celle de Paleshina, on a bien avancé sur celle de Xoti, et donc la prochaine fois on partira sur la cartographie de Port Magé, en tout cas des îles autour de Port Magé, et puis on verra ce qu'on fait par la suite et combien de temps tout cela nous prend. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, nous on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine.